Oui, prénom. D'accord. C'est une fois qu'on le dit. Alors, la bouche est puissante. Les tanins sont droits, toujours. On a toujours cette même ossature, mais cette même structure. Et on ressent vraiment sur ces notes à nouveau configurées et confites que vous avez tout à fait retrouvé dès tout à l'heure en disant qu'il est plus abouti. On est presque si on avait un vin 6 mois plus vieux. Ouais. Vous voyez ces notes-là. Alors, jusqu'à Renaud, qu'en pensez-vous? Parce que moi c'est extrêmement important, votre avis. Moi, je l'attends avec impatience. Et je pourrais vous faire deux remarques sur vos commentaires que je rejoins. Si je globalise, je dirais que le vin en musique a une meilleure extraction à partir de la même matière de base. J'ai l'impression que j'ai une meilleure extraction de couleur, du profil aromatique, on a plus de complexité et surtout on a plus de tannicité, je trouve, tout en gardant l'équilibre. Moi, c'est le jugement global que je peux avoir. Sur les profils aromatiques, alors je sais, on a toujours une discussion là-dessus, moi je trouve assez fréquemment des notes balsamiques. Que je trouve présente dans le premier vin comme dans le deuxième. Et dans le deuxième, c'est plus persistant, hein. C'est plus garrigue, hein. C'est plus méditerranéen. Voilà. C'est un vrai profil pixelou d'ailleurs. Oui, 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 mais je trouve qu'on accentue la typicité des vins du Oliro avec le deuxième vin. Vous voyez, globalement. Bon, presque à la limite, je me suis trouvé avec... Je suis très surpris de la différence. Ah oui, c'est surprenant. Moi, je vois une différence presque aussi évidente entre une vinification traditionnelle et une macération carbonique.